suis au royaume des bonbons. Je me présente, Rosella Jankowski, bonbonnière depuis 16 générations. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Si c'est en tout genre, chocolat, élu produit de l'année depuis 16 ans. Barba papa, Cooper, donc, bref, tout ce qui est sucré, tout ce qui est coloré, c'est Madame Jankowski, la nuit et le jour pour vous servir. Ben, ils sont beaux ces jouets, n'est-ce pas? Oui, madame. Dis donc, est-ce que tu ne devrais pas être au lit, toi, sous un édredon bien au chaud? C'est que je n'arrive pas à dormir. Puis en plus, je suis pas fatiguée. Oh, c'est ça. Et tu crois qu'une petite sucrerie t'aiderait à trouver le sommeil? En attendant que le marchand de sable ne passe. Et puisque la maison ne fait pas de crédit, je te l'offre de bon cœur. Merci. Bonne nuit. Y a quelqu'un? Ne soyez pas effrayé, mon garçon. Je ne vais pas vous manger. Alors, petit, on traîne les rues? Pour un enfant de votre âge, ce n'est pas conseillé. On ne sait jamais sur quel genre de fou on peut tomber. C'est bien connu. Oh, mais dis-moi, il se fait tard. N'êtes-vous point censé dormir paisiblement, comme tout le monde? Je n'arrive pas à dormir. Ah bon? Intéressant. Dis-moi, petit, tu crois à la magie? Quelques pincées sous l'oreiller, puis tout doucement, vous vous endormez, puis vous rêvez. Rêver, n'est-ce point la plus belle chose qui soit? Mais c'est du sable, moi je veux pas jouer. Chut! Ne sous-estime pas le pouvoir de si peu de choses. Il y a bien des choses ridicules, insignifiantes aux yeux de tous, qui pourtant peuvent apporter bien plus qu'elles n'y paraissent. Il suffit d'y croire. Alors, étonnant, n'est-ce pas? Si l'envie t'en dit, tu peux aussi en avoir. D'accord. Bien! Et tu as de quoi payer? Payer? Mais j'ai pas de sous, monsieur. Vous pouvez pas m'en donner?
J'adore ce métier. Tu sais, mon sable, je ne le donne pas. Je le vends. Je suis un marchand. Un marchand de sable. Voici ma carte. Pas d'argent, pas de sable, pas de sable, pas de rêve. Ah, nous vivons une époque bien difficile. Tout se paye. J'ai bien connu. Dommage. Peut-être une autre fois. Et le tour de magie? Navré, jeune petit homme. Mais le temps nous manque. Et comme disent les grands, le temps, c'est de l'argent. Bonne nuit. Attendez. Et si je vous donne ma sucette, vous m'en donneriez un peu quand même? Une sucette? Mais c'est bien peu de choses comparé à la valeur de mon sable. En plus, elle est toute baveuse. Bah, c'est dégoûtant. Par contre, en l'échange de ce magnifique truc sale, je peux peut-être faire un effort. C'est que c'est Hector, c'est mon copain. Mais ce n'est qu'une peluche. Ce n'est qu'une chose dans un monde de choses, finalement. En plus, il lui manque un œil. Mais c'est même vous qui avez dit que... Ben, c'est peut-être petit, mais c'est super grand, finalement. Ah bon? J'ai dit ça, moi? Oublie. Ma langue a parfois une fâcheuse tendance à dire des sottises. Et puis je pourrais en donner à mon papa et à ma maman. Des adultes? Pourquoi faire? Écoute, petit, il est temps de faire un choix. Doudou ou pas doudou? Nous n'avons pas épilogué toute la nuit. Tu es un grand garçon, maintenant. Finalement, tout ne dépend que de toi. Alors, le temps. Elliot, le temps. Adieu, vendu. Tu fais une belle affaire, petit. Voici ton sable. Fais-en bon usage, il est précieux. Et n'oublie pas, les rêves ne s'accomplissent que si l'on y croit. La magie ne suffit pas. C'est bien connu. Sur cet heureux dénouement, je te quitte, mon garçon. Et bien sûr, je te souhaite une bonne nuit. Ah, j'oubliais. Fais de beaux rêves.